Oui, j'ai bien reçu vos remarques sur l'éclairage de mes vidéos. En fait, je galère beaucoup ces derniers temps au niveau de l'éclairage. J'ai pensé qu'il fallait justement que j'achète des éclairages et en fait, j'ai décidé de changer de caméra. Donc, en l'occurrence, là, vous me voyez avec la nouvelle caméra et donc j'abandonne la Logitech C920 qui ne donne absolument pas de bons résultats. Il faut savoir que là, par exemple, je suis dans une situation d'éclairage qui est identique à la vidéo que j'avais faite sur les starters de Luke Skywalker et de Boba Fett. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais je suis carrément dans une grotte à ce moment-là avec la C920 et vous voyez qu'avec la nouvelle caméra, j'ai quand même un petit peu l'impression que vous me voyez un petit peu mieux. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la qualité un petit peu détériorée. Je vous préviens tout de suite, il y a plusieurs vidéos qui ont été enregistrées à l'avance, donc vous n'allez pas voir l'effet tout de suite. Il va encore y avoir des vidéos qui sortent avec un éclairage pourri, un éclairage en mode grotte. Mais voilà, la nouvelle caméra est disponible et donc, je vais pouvoir faire des vidéos où vous allez pouvoir voir ma bonne vieille gueule. Alors, je ne sais pas si c'est réjouissant, mais voilà, je pense que quand on échange et puis qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on parle de règles, c'est vrai que c'est sympa de voir des mains, mais d'avoir un interlocuteur, c'est plus intéressant. Et moi, c'est mon parti pris dans les vidéos. Je me montre. C'est pas pour qu'on voie mon nombril. C'est parce que j'imagine que quand on échange avec un interlocuteur, même par l'intermédiaire d'un écran, eh ben, on a plus de sensibilité à ce qu'il raconte et puis on est plus focus sur ce qu'on est en train de vous expliquer. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit un soutien sur Tipeee ou que ce soit les échanges que j'ai avec vous sur Facebook, parce que c'est vraiment génial. Il y a une vraie communauté et puis je me sens bien avec vous. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais vous êtes toujours là pour me donner le petit coup de boost qui va bien. Donc je vous dis à très bientôt dans un monde qui quitte le monde obscur et qui sera un petit peu plus lumineux. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face.